Avec le 43e sommet du G7 qui se tient actuellement à Taormine, en Sicile. Les dirigeants des pays membres doivent rencontrer des chefs d'État africains samedi pour des pourparlers portant sur la crise des migrants. Les dirigeants de la Tunisie, du Kenya, de l'Éthiopie, du Niger et du Nigeria seront présents lors du deuxième jour du sommet. Plus d'un demi-million de migrants africains sont arrivés en Italie depuis 2014. Dans la seule journée de vendredi, 1 400 personnes ont été ramenées sur terre par des secouristes. L'Italie souhaite que les pays les plus riches du monde aident le continent à développer son économie dans le but de persuader les jeunes Africains de rester chez eux. Cependant, les propositions italiennes visant à mettre en évidence l'impact positif des migrations et à promouvoir une initiative majeure en matière de sécurité alimentaire ont été rejetés des discussions avant le sommet, puisque l'administration Trump ne veut pas relever les avantages de la mobilité.